Tout endroit où on vous veut du mal, toute personne qui pratique contre vous, tout hôtel qui porte votre nom, on a écrit votre nom sur le papier, toute poupée, toute marionnette qu'on utilise dans un lieu qui porte votre nom, qui vous représente, qu'on a attaché pour vous attacher, je vous détache maintenant. Je détruis ces lieux où votre nom est mentionné pour vous faire du mal. Je déclare le bien sur vous. Je déclare le bien au nom de Jésus. Je vous libère de toute entité qui est dans votre corps, tout envoûtement dont vous êtes victime, toute pratique de sorcellerie dont vous êtes victime, qu'on a utilisée pour vous faire du mal, pour faire que vos choses ne marchent pas. J'ouvre vos portes. J'ouvre vos portes. J'attire l'amour vers vous. J'attire l'amour, que vous rencontrez votre âme sœur, que vous ne manquez plus d'argent. Je déclare à partir d'aujourd'hui que vous ne manquerez plus d'argent. Je déclare que votre maison ne manquera plus. Je déclare que vous obtenez le minimum pour vous. Ce sera le maximum pour certaines personnes. Papa Yahweh, que tes enfants, rappelle-toi de leurs aumônes, de leurs offrandes. Rappelle-toi, ils ont aidé les gens qui étaient malades. Ils ont aidé papa. Qu'aucune personne que vous avez aidée dans le passé ou dans le futur que vous n'aiderez ne vous fera plus jamais du mal. Tout mal que quelqu'un vous a fait, alors que vous lui avez fait du bien, que le Seigneur se rappelle de cela. Selon le psaume 35, et qu'il sorte la lance pour attaquer vos ennemis. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. J'appelle votre agent. Je vous reconstruis comme vous étiez autrefois, selon Amos chapitre 9, versets 11 à 15. Je vous rebâtis, je comble les brèches de votre vie. Tout ce dont vous manquez, que quand quelqu'un vous regarde, il dit que ah, la femme est bien, mais oh, si elle avait telle chose, je te complète, je te comble. Je déclare que tu reçois. Tout endroit où on avait mis l'animosité entre toi et ton mari, j'enlève cette flèche de ton cœur. Je restaure l'amour dans votre relation. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Beaucoup de personnes prennent mes vidéos pour vous arnaquer. Je ne vous demande jamais de l'argent. Premier coup comme ça, non. Je vous dis toujours, lavez-vous avec le sel. Jeûnez les trois premiers jours du mois. Jeûnez, rejoignez le groupe de prière dans lequel je poste. Si vous arrivez sur ma page, contrôlez si je suis en direct sur ces pages constamment. Voilà, le numéro c'est le 237-693-50-2266. Voilà, conférence à Abidjan, gratuite, le 26 octobre. Ok, voilà. Pour vous enregistrer, vous nous faites signe, vous nous dites que vous serez là.